on aura le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, la Ligue d'improvisation à peine satirique de Châteauguay, la LIPS, représentée par Roger Gaudreau, qui est avec nous. Bonsoir, Roger. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pour quoi exactement? Bien, on va partir en tournée d'improvisation en France en octobre prochain. Oh. Et puis, c'est sûr que traverser l'Atlantique, ça coûte cher en billet d'avion. Oui. Ça peut nous donner un bon coup de main. Ben, je vous le souhaite. Merci d'être là. Ils affrontent la troupe du Théâtre des Deux Rives de la vallée du Richelieu, représentée par Frédéric Brault, qui est avec nous. Monsieur. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pour quoi exactement, vous? Même objectif, la troupe va se produire aux estivades de Marche en Famine au mois d'août. Donc, on a 7 comédiens qui vont aller produire une pièce, une création collective de la troupe. Et notre objectif, c'est ramasser des sous pour financer le voyage. D'accord. Bien, merci. Bonne chance aux deux équipes. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1 000 $. Trois invités qui nous dévoilent chacun un squelette sorti tout droit de leur placard. Donc, trois histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un quatrième squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Je vous présente mes invités à l'instant. On accueille avec grand plaisir Dave Morissette qui est avec nous. Dave, qui remportait cette année l'artiste comme animateur d'émission de sport. Bravo! Très content. Très content que tu sois là. Moi, je suis excité. Oui? Je suis excité. Non. Un peu stressé, mais excité. Ben oui, ben c'est ça. S'il va y avoir des questions de sport. Oh, j'imagine. Ben oui. Et on accueille mon nouvel ami, Mike Ward, qui est avec nous. Alors, la tournée Mike Ward s'expose, c'est jusqu'à l'hiver. Entre autres, les 28 et 29 septembre à Québec, les 24 et 25 octobre à Laval, les 29 et 30 novembre au Saint-Denis. Et tu as même écrit un numéro dans le prochain spectacle de Réal Bella. Oui, oui, j'ai écrit un numéro, Le King des ados, pour son prochain show, que j'espère qu'il va prendre, parce que sinon, moi, j'écris dans le vide. Pis il ne sait pas encore. J'allais y en parler après le show, mais là... OK, là, c'est... D'accord. Là, ça y met de la pression. J'ai quelque chose pour Réal aussi. Ah oui? OK, ouais. Parfait. Avec lui, tu n'auras pas le choix. Merci. Ben, merci. Merci. Et Réal Bellard, justement, dans le milieu. Ce soir, le gala échangiste d'Éric Salvaire, tu fais un numéro. Oui. Ce gala-là, ce soir. Ah, ça s'appelle comme ça? Oui, ben oui. Ben oui. J'avais pas checké dans mon horaire. Gala échangiste, ben oui. Puis tu vas être à Sorel du 26 au 28 juillet dans Dieu merci le spectacle. Ça s'appelle comme ça, cette ville-là? Oui. C'est ça, oui. Et ton show s'appelle Une autre planète? Oui. C'est ça je m'en souvenais, oui. Oui, et les dates, www.realbellan.com. Exact. Hey, merci ça, c'est pas des dates, c'est un site web. Par ouais. Tu me fais peur, là. Ah, je donne donc les quatre squelettes pour aujourd'hui, puis là, écoute, OK? OK. Bon. Alors, j'ai laissé un enfant porter le blâme pour mon méfait. J'ai accidentellement déboli le cabanon du voisin. J'ai stupidement provoqué un mafieux et j'ai fait changer la stratégie de l'armée canadienne. Ben oui. Alors, Dave, quel est ton squelette? Mon squelette, j'ai démoli par accident le cabanon de mon voisin. Par accident? Par accident. Accidentellement. Accidentellement. Oui. Et je vais raconter rapidement pendant que je te laisse mon carton. Je vais retenir ton carton. Merci. Merci. J'ai joué dans la Ligue internationale à Houston et je louais toujours à toutes les années un gros camion, un 18 pieds. Un U-Haul. Oui. Et cette année-là, j'ai loué un 24 pieds parce qu'il n'y avait pas de 18 pieds. Mais le 24 pieds, ça prend un permis spécial que moi, je n'avais pas. À un moment donné, ça va devenir intéressant. Hein? Oui. Et là, hey! Mais le 24 pieds. Hey, je t'aime vraiment. Le 24 pieds, c'est pas facile à conduire. Et je me suis... Ça, c'était pour déménager, là. Pour déménager de Houston au Québec. Et j'ai reculé. J'ai reculé, mais c'est pas facile. Pas de Houston jusqu'à Montréal. Quand je suis arrivé après 24 heures, Mike, de route, j'ai reculé. Et c'est pas évident, là, parce qu'il y a des miroirs d'un côté. C'est un pied par heure. Hein? Et à un moment donné, après 24 heures de route, la fatigue... Hein? J'ai senti quelque chose, mais j'ai entendu un petit... Après seulement 24 heures. Et là, j'ai ouvert la porte et c'était le cabanon du voisin.
que tu as traîné maisons... pendant 24 heures. Ouais, pendant un bon 30 pieds. C'est juste me reculer. Moi, je pensais me reculer dans le fond de la cour. Ça fait du bien. Ouais. OK. Ouais, ouais. Bye. Ouais. Moi, moi j'ai stupidement provoqué un mafieux. Ah oui, ça, ouais, ça, ouais. Ça se peut. Okay. Mais en réalité, c'était pas. J'ai fait un show, OK? Puis je suis sur scène. C'était tout du monde assez chic, monsieur, madame, Carla. Comme habituellement dans tes spectacles. Oui. Mais il y a un gars, il arrêtait pas de crier, puis il me dérangeait, puis il me dérangeait. Puis c'est venu assez longtemps, c'est des années 90. Et moi, j'ai fait un gag pour y fermer la gueule qui était assez. Je peux même pas le dire à la TV, je vais faire une version. Non, tu serais mal à l'aise. Radio-canadienne. Mais j'ai fait un gag, j'ai dit, regarde, je travaille, moi, je te dérange pas quand tu travailles. Je vais pas n'imborguer, t'enlever les messieurs que t'as dans la bouche. Mais, Puis il l'a écrit, il l'a dit en faisant attention. Ouais. Okay. Fait que là, moi, je débarque de sur scène, il y a un gars, il vient me voir, il est 6 pieds 4, il est large de main, en habit noir, puis il y a un tatou dans le cou, vraiment. Puis, dans les années 90, personne n'avait des tatouages. Mais lui, en plus, dans le cou, un peu dans la face... Il fait quoi comme tatouage, tu ne souviens pas? C'était une affaire genre un dragon. Okay. Je ne m'en rappelle pas. C'est quelque chose de stressant. Ouais. Il me paye un verre. C'est bon pour mimer un tatou. Ouais. Hein, j'ai du talent dans la vulgarité et le mime. Mais il me paye un verre. Puis là, fait que là, je suis stressé au début. Attends une minute, là. Le gars vient de voir, il a l'air épeurant de même. Il paye un verre, tu y vas. Ben, tu sais, c'est sûr, je suis allé. OK, parfait. D'accord. J'avais peur et j'avais soif. Arrête ton squelette, toi. Ben, mon squelette, c'est que j'ai fait changer la stratégie militaire canadienne. Oh, merci beaucoup. Ouais, ça me fait plaisir. Comment t'as fait ça? Ben, je tournais une émission avec Stéphane Lefebvre dans le temps qui s'appelait Le Programme du Vrai Monde. Oui, oui, oui. Et puis, on avait déguisé Stéphane en chien, en gros chien, OK? Et puis, on avait mis une caméra dans son costume, puis on avait... Il y a un gros silence en studio, continue. Ça semble troubler les gens, ton histoire de caméra. Et, non, on est en pause. Oui. Mais... Fait que là, Stéphane, on devait l'embarquer dans un avion, OK, avec son costume et sa caméra, et faire à croire que c'est un chien, OK? Attends, ben, quel genre d'avion, là? Un avion privé ou un avion de ligne? C'est un avion privé. OK. OK? Puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... Les valises n'étaient pas scannées, les animaux. Ben, un avion privé, ça change rien. Non, 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 mais attends une minute, parce que quand on a fait ça, Stéphane, ça a créé... Parce qu'il s'est rendu dans l'avion, Stéphane, là, avec sa caméra, avec les autres animaux. Puis là, son défi... Il y avait d'autres animaux dans l'avion. Oui, parce que lui, il était déguisé en chien dans une cage. C'est juste moi qui sont marrés. Eux autres... Moi, j'ai de la misère un peu. Eux autres, il n'y avait pas de caméra, il y avait des micros, par exemple. C'est ça, peut-être, OK. Puis là... Non, non, mais... On est dans un aéroport, puis il y a un endroit pour les chiens dans les avions. OK. T'as... Si tu veux. Mais non, mais on peut amener un chien quand on prend un avion. Oui. C'est ça. Oui. J'attendais l'armée canadienne. C'est ça. Ah, mais... Et à un moment donné, il va faire changer la stratégie, mais il nous reste 20 minutes, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai laissé un enfant porter le blâme pour mon méfait. J'ai accidentellement démoli le cabanon du voisin. J'ai stupidement provoqué un mafieux et j'ai fait changer la stratégie de l'armée canadienne. On cherche le squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Êtes-vous dans l'esprit des fêtes? Votre défi consiste à revisiter de façon gastronomique deux mets traditionnels de Noël. Le Noël du campeur, ce n'est pas un cadeau. J'ai bloqué, puis je réussissais pas à penser à rien. Super insécure. Hein? Ouais. Ce soir, c'est extrêmement. Et il est minuit moins une. On ne devrait pas leur donner un défi de plus ce soir, ce serait le cata. Ça m'inquiète, le goût. On commence à paniquer un peu, là. J'ai besoin de cuillère. Les chefs, ce soir, 20h. À Radio-Canada. Star Wars Identité, l'exposition, jusqu'au 16 septembre au Centre des sciences de Montréal.
ce vendredi, le gros lot du Loto Max est évalué à 20 millions de dollars. Vivez vos rêves au max. Encore tu? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir, c'est une passion pour moi, je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je peux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Il pensait vraiment que je faisais une crise. Ça, c'est celui qui est responsable du bouche à bouche.
On continue avec Mike. Mike qui se fait inviter par le monsieur, le grand monsieur Sifikat avec le serpent ici, ou le dragon, dépendant de comment vous mimez. À toi. Étant donné que t'as pris un verre avec le monsieur avec le dragon, je n'ai son pris nom, une coupe. Un nom de mafioso. J'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Mais il me paye un drink, puis la fin que j'avais faite, il me paye le drink. Moi, je vois son tatou, puis je fais un gag que quand je suis chaud, je faisais tout le temps. Je fais, hey, moi aussi, j'ai amené des tatous. Puis là, je baisse ma chemise un peu. Là, il regarde, puis j'y tape. Le sachet, il se servait de bord et le serveur m'a pogné puis il m'a dit son nom que à l'époque, mais je m'en rappelle plus, mais oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben moi j'ai eu la chienne, puis j'ai fait j'espère qu'il y a un sens du mot. Mais est-ce que c'était le gars que j'avais insulté pendant ton spectacle? C'était le gars que j'avais insulté pendant mon show, que là, il m'avait dit, hey, c'est drôle ça. Mais là, il me payait des drinks, puis je n'étais pas sûr s'il trouvait ça drôle ou il trouvait ça drôle pour m'amener dans le bois. Puis je suis amusé avec toi. Ouais, ouais. Mais finalement, en tout cas, moi, je suis encore vivant, puis. Mon père s'est fait casser les jambes, mystérieusement. D'accord. Réal, maintenant, qui est à quelque part dans un aéroport avec un chien, je n'ai pas compris comment, tu peux lui poser des questions. Pourquoi l'armée canadienne avec le chien? C'est quoi le rapport? J'ai jamais dit ça. Hein? Non, mais... Là, si je comprends bien, Stéphane vomit comme un chien. Oh non, non, mais c'est parce qu'on a déguisé Stéphane Lefebvre en chien, on l'a mis dans une cage, puis lui est allé avec dans la soute à bagages avec les autres animaux, puis on voulait pour voir si c'était possible de se rendre là, justement, pendant un bon chien. Comment est-ce qu'il a pu se rendre là? On sait bien que c'était une mascotte. Non, 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 attends une minute, non, non, c'était hyper crédible, là. C'était une grosse cage, il était déguisé en chien. Ouais. Le budget pour être crédible en chien. Écoute, il s'est rendu... Oui. J'aime ça qu'il n'y a personne qui a regardé dans la cage. Ils ont fait, c'est une cage, ça doit être correct. Ouais. À peine 225 livres, c'est un chien. Ouais. Ce qui j'appelle... Ah, je t'en ai, je joue plus. Mais... Ça veut dire, si y a du monde... Si y a du monde qui écoute, mettons, tu veux amener de la drogue d'un autre pays, cache-le dans un costume de chien. Mais maintenant, ils ont des scanners. OK. Ouais. Avant, il n'y en avait pas. C'est ça, exact. Okay. Mais à cause... C'est en quelle année? En 1911? À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. OK. À ton avis, est-ce qu'un avion militaire canadien peut faire un vol Berthier-Afghanistan? Absolument. T'as pas le droit de mentir. Hein? Mais tu me demandes à mon avis. À son avis, il connaît ben rien oui. des avions. C'est ça, je écoute. J'ai pas dit que je conduisais l'avion. Mais quoi de tes affaires, donc? OK. As-tu déjà touché au Furfy Furline de quelqu'un de louche? Oui. Pis pas juste cette fois-là. Est-ce que Stéphane Lefebvre a déjà été dans une cage à chien? Oui. Je donne les trois squelettes. Les trois sont arrivés, on cherche à qui. J'ai laissé un enfant porter le blâme pour mon méfait. J'ai stupidement provoqué un mafieux et j'ai fait changer la stratégie de l'armée canadienne. Qui a fait quoi à mon vote? La réponse après la pause. Dans le monde en gros. Une invention qui fabrique de l'eau. Une invention qui fait de l'ombre. Ah. Et une invention qui fait mal. Le monde en gros, ce soir, 19h30, à Radio-Canada. En compagnie d'invités qui viennent jaser, se laisser surprendre et nous étonner, de la musique, des fous rires et des moments touchants, je vous invite à une fin de soirée où tout peut arriver. Penelope McQuaid, du lundi au jeudi, 21h, à Radio-Canada. Il y a le style... Il y a le côté pratique et il y a les deux. Erika Soubaki est une grande fan des deux. C'est ce qu'elle et son équipe avaient en tête lorsqu'ils ont imaginé le tout nouveau Ford Escape. Plus d'espace de chargement que jamais auparavant, enveloppé dans une toute nouvelle carrosserie. Une technologie ingénieuse, prêt pour l'aventure,
le tout nouveau Ford Escape 2013. C'est ce qui se produit lorsque nous allons plus loin. Juste parti. Ah, bonne idée. Mais l'affaire de la... Oui, pour l'armée canadienne. L'affaire...
que je faisais un show en Grèce pour la marine. Et je m'en vais au retour à TQS dans le temps, puis ils me disent « Hey, tu t'en vas en Grèce? » Puis je dis « Oui, 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 je m'en vais en Grèce pour un show pour l'armée. » Je reçois un email en revenant chez nous. « Hey, dis jamais où est-ce que tu vas être quand tu as un show militaire. Là, il va falloir changer ça de place. Ça se peut qu'Al-Qaïda... » Puis là, j'étais comme « Al-Qaïda, il écoute vraiment le retour à TQS. » Mais... On a fait le show dans le sud de la France, à la place. Ça a complètement changé. Il a fallu changer de pays. Là, je me sentais mal. Je suis arrivé là-bas. Puis, tu sais, c'est ça. J'ai scrappé un show. Mais c'était le fun au bout. C'est beau, le sud de la France. Oui, oui, j'imagine. D'accord. Et finalement, j'ai laissé un enfant porter le blâme pour mon méfait. Du côté de Roger et son équipe, vous aviez pensé à... Réal. Réal, d'accord. Et du côté de Frédéric? Dave Morissette. Ah, Dave, c'est Dave, effectivement. D'applaudir quelqu'un qui a laissé porter le blâme sur le feu sur un enfant. Mais ce sont vos valeurs. Alors, Dave. Mon épouse avait fait un gâteau au chocolat. Et étant donné que j'avais pris un verre de vin trop, je n'avais pas mangé le soir. Mais je me suis levé durant la nuit pour terminer le gâteau au chocolat. Et le gâteau, elle l'avait fait juste pour les enfants ou. Elle l'avait fait pour la visite en général. Okay, c'était pas d'enfants. Non. C'était pas un gâteau d'anniversaire. Okay. Non. Et le matin, quand je me suis levé. Ma femme chialait après mon gars, mon plus jeune, mais moi, je m'étais levé pendant la nuit pour manger le gâteau, tu sais, ce qui arrive à tout le monde, là. Et, gâteau au complet? Le gâteau au complet. Et peut-être, il restait peut-être un peu de crémage, et là, mon épouse est en train de chicaner mon plus jeune, Zach, papa, il s'excuse. Et, parce que Zach, il l'apprend là? Oui, Zach l'apprend là. Non. Écoute, tu vas voir. Et là, le matin, je peux pas dire à ma femme, c'est moi qui l'a mangé. Il est en train de chicaner. C'est la façon qu'elle me regarde quand je mange la nuit. Tu sais, c'est que je l'écœurais. Okay, elle me regarde avec dédain. Quand je mange la nuit, ouais. Donc, si tu gros laisses cochon, ton enfant se faire accuser pour une affaire que t'as faite, c'est moins pire qu'elle te regarde manger. Absolument. Puis mon gars va tout pardonner. Elle l'aime, c'est son gars. Et c'est ça. Et je me suis dit, cette journée-là, je vais aller acheter un dessert le soir pour faire pardonner mon gars. Tu sais, il a quand même passé une heure dans sa chambre. Ah, oh, parce que tu l'as laissé passer dans sa chambre. C'est pas grave. Dans sa chambre, tu devrais voir les jouets qu'il y a dans sa chambre. Et le soir, je suis arrivé avec le dessert. Puis là, ma femme a dit, « Zach, toi, t'en manges pas du dessert, hein? » Et là, j'ai avoué. J'ai avoué, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ouais. Mais c'est de la façon qu'elle me regarde, je te le dis. Si je mange, moi, j'adore manger la nuit. La nuit, ça compte pas vraiment quand tu manges. Tu n'engraisses pas la nuit. Elle me regardait comme ça. Ton gars, il est-tu encore en thérapie à cause de ça? Ça n'a pas été facile. Non, hein? Ça n'a pas été facile. C'est quand même, mais vraiment, la pire affaire que tu as, c'est manger la nuit. Moi, j'adore manger la nuit. Je me récompense. Tu vas aux toilettes, après ça, tu arrêtes au frigidaire. Non! Hey! Est-ce que je suis vraiment seul à faire ça? On en a assez! Non, Réal, fais pas ça. On en a assez! Il y a trop de détails dans ton affaire. Okay? C'est comme je me vide de faire de la place. OK.